E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Le Brésilien avec Gabi. Le Brésilien, c'est notre site pour t'apprendre le portugais. E Gabi, c'est moi. Alors, comme vous voyez déjà dans le fond de l'écran, aujourd'hui, on va voir 10 verbes de routine, 10 verbes en portugais qui sont très utilisés. Et on va voir quelques exemples dans les présents, presentes simples, car quand on parle de routine, normalement, ce sont des activités répétitives, des routines, et du coup, là, on utilise presentes simples em português. Beleza? Então vamos começar, vamos lá. Primeiro verbo, verbo número 1, acordar, acordar. Repete, repete, acordar. Acordar, c'est bien se réveiller. Donc, pour demander à quelle heure tu te réveilles tous les jours, tu vas dire que horas você acorda todos os dias. Que horas você acorda todos os dias. Et maintenant, avec un rythme un peu plus normal, que horas você acorda todos os dias? Que horas você acorda todos os dias? À l'oral, il y a beaucoup de chances qu'on utilise la forme courante tout au singulier, donc on va dire todo dia. On coupe les S ici, on coupe les S ici, on enlève les milieux. Todo dia. Que horas você acorda todo dia? E pour répondre, para responder, você fala eu acordo às 8, por exemplo. Eu acordo às 8, je me réveille à 8 heures du matin, eu acordo às 8. Et bien sûr, tu peux jouer. Donc, vas-y et pratique cette phrase. Échange. Je me réveille à 9h, je me réveille à 10h. Et comme ça, tu peux pratiquer un pouquinho todo dia. Beleza, vamos lá. Número 2. Tomar banho, pessoal. Tomar banho. Olha que beleza. Tomar banho, prendre une douche. Alors, petit exemple très bête, mais il faut le pratiquer quand même. Eu sempre tomo banho de manhã. Eu sempre tomo banho de manhã. E deuxième exemple, segundo exemplo. Ela toma banho na academia depois da aula. Ela toma banho na academia depois da aula. Donc, c'est bien une routine, toujours après son cours, aula. Elle prend sa douche dans la salle de gymnastique, dans la salle de gym. Ela toma banho, beleza? Então, tomar banho, prendre la douche. Vamos lá. Número 3. Número 3, tomar café da manhã. Tomar café da manhã. Café da manhã, c'est le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner. Donc, la petite phrase d'exemple. Você toma café da manhã em casa? C'est une question. Les questions, ça monte toujours, hein, pessoal. L'intonation, ça monte. Você toma café da manhã em casa? E a resposta, não. Tomo café da manhã na padaria. Tomo café da manhã na padaria. Vous avez remarqué que si, il n'y a pas le sujet. Je n'ai pas mis eu tomo café da manhã na padaria. En portugais, on n'est pas obligé de mettre le sujet là-dedans. Et du coup, tu peux sauter, vu que c'était déjà une question à moi, à Gabi, bah, quand je vais répondre, c'est clair que c'est moi, je n'ai pas besoin de le mettre. Et je peux commencer directement avec les verbes. Donc, je vais dire non, je suis en train de répondre à la question, non, tomo café da manhã na padaria, à la boulangerie. Au Brésil, c'est très très commun de prendre des petits déjeuners à la boulangerie. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait très souvent en France, mais au Brésil, on peut le faire, c'est très facile, il y a des espaces pour ça. Muito bem. Ici, pessoal, il faut faire attention à cette virgule. Si tu n'aimais pas les sujets ici et tu ne fais pas le ton de la virgule ici, tu peux finir par dire une phrase entière à la négation, à la négative. Au lieu de dire non, je prends les petits déjeuners à la boulangerie, tu vas finir par dire je ne prends pas les petits déjeuners à la boulangerie. Donc, il faut bien respirer ici et dire non, tomo café da manhã na padaria. Ou sinon, pour éviter ces petits soucis avec la virgule, tu mets les eu ici, dans ces petits espaces. Non, eu tomo café da manhã na padaria. Et là, c'est clair, tu n'auras pas les petits soucis avec la virgule pour changer la phrase. Beleza? Então, tomar café da manhã, prendre les petits déj. Vamos lá. Número 4. Ir para o trabalho, pessoal. Ir a ou para o trabalho. On peut utiliser ces deux prépositions en portugais qui vont devenir des contractions. Donc, on va être obligé de les accrocher un peu, d'échanger un peu. En tout cas, c'est plus commun, ça dépend un peu des régions, mais on utilise souvent pro trabalho. Que horas você vai para o trabalho? Que horas você vai para o trabalho? À quelle heure tu vas au travail? Que horas você vai para o trabalho? E para responder, eu vou para o trabalho às 9 horas da manhã, por exemplo. Eu vou para o trabalho às 9 horas da manhã. Aqui, pessoal, como de costume, tem que praticar. Você precisa praticar. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te poses cette question et tu réponds tout seul. Ah, Gabi, à quelle heure tu vas au travail? Comment on pose cette question en portugais? Que horas você vai para o trabalho? Et là, tu la mémorises vraiment bien. Comme ça, tu n'es plus là en train de penser quelle préposition je dois utiliser. Est-ce qu'il y a un S ici ou pas? Est-ce que je dois mettre un A avant ici?
Tu arrêtes, tu mémorises cette question, tu la fais, et maintenant, chaque fois que tu veux demander à quelle heure quelque chose, de ce copain, à quelle heure quelque chose, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ces débuts, que horas você, que horas você, et après tu changes le verbe, et ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus automatique. Bon, et du coup, pour répondre à la même chose, eu vou pro trabalho às 9 horas da manhã. Change la phrase, joue avec la phrase. Je vais au travail à 8h30, à 8h45. Pratique bah, les numéros, les heures en portugais. Et surtout, pratique la préposition qui est déjà en mode contraction. Par contre, oui, puisqu'on a des gens qui vont dire, mais Gabi, on ne peut pas écrire pro, ça c'est pas bon. Oui, selon les règles de la grammaire, si tu es en train d'écrire un document très très officiel, tu n'écris pas pro. Tu vas les séparer, tu vas mettre par, espace, article O. Voilà, c'est ça. Pour tout le reste, tu écris pro et tout va très bien, il n'y a pas de souci. Vamos lá, número 5. Número 5, responder a e-mails, pessoal. Responder aos e-mails é facinho, tranquilo para vocês. Responder, répondre, e-mails, mesma coisa. Ici, la petite partie drôle, c'est qu'il y a responder demande la préposition à, et il est toujours accompagné la préposition à. Mais à nouveau, c'est quelque chose qui se fait plutôt à l'écrit et à l'oral. On entend très très peu. Donc en fait, si tu vas écrire quelque chose d'officiel, tu mets les petits A avant. Si tu es en train de parler, tu peux l'oublier. Tu les lis comme s'ils n'étaient pas là. Donc par exemple, dans cet exemple-là, quando você responde seus e-mails? Quando você responde seus e-mails? Quand est-ce que tu réponds à tes e-mails? Tu peux les lire directement sans les A. C'est comme ça qu'on va parler dans la plupart des cas dans les portugais courants. Et quand tu vas écrire quelque chose, du coup, tu mettras la petite préposition A. Então vai, répète, pratique. Quando você responde seus e-mails? Quando você responde seus e-mails, Gabi? Quando você responde seus e-mails, João? E lá, tu vas répondre, ah, normalmente respondo tudo durante a manhã. Normalmente respondo tudo durante a manhã. Donc, ici, à nouveau, si tu es en train d'écrire, tu mets la préposition. Si tu es en train de parler, tu la sautes et tu dis directement répondre les emails et pas répondre aux emails. OK? Número 6, almoçar, pessoal, déjeuner. Donc, exemple aqui na frase, onde você almoça? Onde você almoça? Où est-ce que tu déjeunes? Où est-ce que tu déjeunes? Onde você almoça? E a resposta, bom, durante a semana, almoço no trabalho. Nos fins de semana, almoço em casa. Mais uma vez, durante a semana, almoço no trabalho. Nos fins de semana, almoço em casa. Alors, comme vous avez vu, à nouveau, il n'y a pas les sujets ici, car c'est une conversation directe. Tu m'as posé une question, je la réponds tout de suite et je peux ne pas l'utiliser, ok? Mais si tu veux, tu peux aussi l'utiliser. Tu peux dire, durante a semana, eu almoço no trabalho. Mais c'est un choix. Então tá, então aqui tá bom, almoçar, déjeuner. Vamos lá, número 7. Assistir, assistir, pessoal, um verbo muito, muito usado. Assistir, regarder, regarder la télé, regarder un match, par exemple, comme c'est dans l'exemple ici. Então, eu nunca assisto o jornal na TV. Eu nunca assisto o jornal na TV. Ici, c'est la même chose qu'avant. Assistir demande la petite préposition à, mais dans les portugais courants, dans la vie de tous les jours, on n'entend pratiquement pas. Donc, tu peux le dire sans les à, directement la chose que tu regardes. Eu nunca assisto o jornal na TV. Eu nunca assisto o jornal na TV. Ponto final. C'est comme ça qu'on parle. Si tu vas écrire, tu écris correctement et tu mets ces deux petites lettres ensemble là pour que ça devienne ao. Eu nunca assisto ao jornal na TV. Et si tu veux demander, est-ce que tu as vu les matchs d'hier, par exemple, là du coup, même chose, tu peux sauter la préposition et tu peux dire, você assistiu o jogo de ontem? Você assistiu o jogo de ontem? Et si tu écris, tu mets les deux ensemble. Você assistiu ao jogo de ontem? Beleza? Assistir. Número 8, pessoal. Estudar. Facinho, facinho. Estudar, étudier. Então vamos lá, dois exemplos. Eu estudo português uma hora por dia. Eu estudo português uma hora por dia. Tenta repetir no mesmo ritmo. Vai lá. Eu estudo português uma hora por dia. Faut le faire. Si tu le fais deux, trois, quatre fois, je te promets que la quatrième fois, ça va aller déjà beaucoup plus facile. Eu estudo português uma hora por dia. Eu estudo português uma hora por dia. N'essaye pas de lire. Écoute et répète. Et après, tu fais la liaison de ces sons que tu es en train de produire avec ce que tu es en train de lire, et pas l'inverse. Et uma perguntinha para testar. Onde você estuda? Onde você estuda? Où est-ce que tu étudies? Où étudies-tu? Onde você estuda? Beleza, pessoal?
Vamos lá, número 9. Número 9, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Muito bem. Então, vamos lá. Repete comigo. Onde você trabalha? Onde você trabalha? Uma pergunta sempre vai subir. Onde você trabalha? E resposta de exemplo, la réponse do dans l'exemple. Eu trabalho numa loja no centro. Eu trabalho numa loja no centro. Je travaille dans un magasin au centre-ville. Donc ici, il y a une petite contraction aussi de la préposition, mais ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Tu mémorises ces deux phrases et tu commences a jouer avec. Onde você trabalha? Onde você estuda? Onde você almoça? Et tu pratiques tous les verbes qu'on vient de voir ici, dans le présent, pour pouvoir parler d'une façon plus automatique, sans réfléchir. E para fechar, pessoal, por finir, número 10. Ligar, ligar, appeler, dans le sens d'appeler, ok? Parce qu'on peut utiliser aussi ligar dans le sens de allumer quelque chose. Donc, quand tu appelles quelqu'un au téléphone, c'est toujours suivi de la préposition para. Et ici, on ne peut pas ne pas l'utiliser. Il faut l'utiliser, sinon ça fait très très étrange en portugais. Donc, si tu dis que tu vas appeler quelqu'un, tu veux dire que tu vas appeler para quelqu'un en portugais, beleza? Então, exemplo. Eu sempre ligo para minha avó, ah, e manca um petit accent lá, um accent aigu. Eu sempre ligo para minha avó nos domingos. Eu sempre ligo para minha avó nos domingos. J'appelle ma grand-mère tous les dimanches. Outro exemplo, você liga para os clientes quando eles têm problemas? Você liga para os clientes quando eles têm problemas? Que tu appelles tes clients quand ils ont des soucis, des problèmes? Você liga para os clientes. Cette petite contraction-là, on a déjà vu, elle se fait seulement à l'oral ou dans des documents informels. Si tu écris quelque chose de très formel, tu dois séparer. Tu mets para plus l'article séparé, as ou para os. Então é isso aí, pessoal. On vient de voir 10 verbes qu'on utilise vraiment dans la vie de tous les jours et on utilise tous les jours. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, tu pratiques vraiment. Prends les débuts et fins des phrases et fais et échange, mais avec ces exemples-là que tu es en train de voir. Donc, eu sempre ligo para minha avó nos domingos. J'appelle toujours ma grand-mère au dimanche. Maintenant, on va changer ligar et on va garder cette structure et on va dire je travaille toujours au dimanche. Comme tu dis ça? Eu sempre, bah, tu changes le verbe, trabalho nos domingos. E voilà, tu ne réfléchis plus. On va revenir peut-être en arrière. Onde você trabalha? Bah, là, tu changes et tu dis onde você estuda. Eu estudo português uma hora por dia. Je étudie le portugais une heure par jour. Donc, change là et dis 2 heures par jour ou 3 jours par semaine, par exemple. Et comme ça, pour les choses utiles, faciles, surtout des actions que tu fais tous les jours, que tu es censé savoir, car tu as beaucoup de choses, beaucoup de chances de devoir parler de ces choses. Comme ça, quand tu vas parler, ça va être beaucoup plus automatique, tu ne vas pas être en train de réfléchir. Beleza, pessoal? Então, agora. Vamos lá, praticar um pouquinho e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se tu aimes esse vídeo, n'oublie pas, laisse ton petit j'aime, mets un commentaire pour pratiquer. Vas-y, fais des petites phrases sur ta routine en portugais, ici dans les commentaires pour commencer à pratiquer. Comme ça, la personne qui vient derrière toi, bah, elle peut lire ta phrase, elle peut essayer de lire à voix haute, elle peut pratiquer aussi, et comme ça, tout le monde va s'aider un peu. On va pratiquer et on va continuer à progresser dans les portugais brésiliens. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal, e um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.